Salut tout le monde, c'est Inner. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur Overwatch, une première sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur Overwatch pour une petite game. Pas en classé, en rien du tout, on est vraiment en partie rapide là. Et du coup on est en défense, donc en mode, vous savez, le mode où on doit faire avancer le wagon. Et du coup voilà, je vais jouer Genji. Et je vous commande ça du coup en différé. La game est assez sympa, je vous en ai d'ailleurs fait plusieurs. Donc vous les aurez très probablement au cours de la semaine. Et du coup en fait j'ai pu vous faire cette vidéo suite au week-end gratuit Overwatch sur PlayStation 4. Parce qu'il faut savoir en fait que je joue à Overwatch sur PC mais pas sur PS4. Et du coup bah, c'était un petit peu l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo sur PS4. Voilà, tout simplement parce que j'ai tendance à préférer un petit peu quand même malgré tout Overwatch sur PS4. Malheureusement j'avais pensé à l'acheter. Bref, du coup on va essayer de se concentrer un petit peu sur le gameplay. Donc du coup comme je vous l'ai dit, je joue Genji. Alors je vous annonce de suite, ce n'est pas une game de oufissime. C'est pas une game oufissime, mais on va dire qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même certaines petites choses qui sont assez sympas. Vous aurez le droit à des autres gameplays cette semaine beaucoup mieux, mais pour l'instant vous allez vous contenter de celui-là. Parce que vous allez voir quand même malgré tout qu'à la fin il y a quelque chose d'assez sympa. Vous l'avez peut-être vu notamment sur la miniature. Mais on va dire que j'ai peut-être même dans le titre, mais en tout cas j'ai fait quelque chose de vraiment très sympa. Donc voilà, je m'amuse à tirer un petit peu, provoque. Il reste 10 secondes avant la préparation. Je balance le petit tag, vous voyez le petit tag Genji. Trop stylé. Et du coup voilà, donc on attend gentiment qu'ils viennent. Ils vont arriver tout doucement. Alors j'annonce de base, je suis pas le meilleur Genji au monde. Je suis même pas professionnel sur Overwatch, mais on va dire quand même que j'ai un petit niveau qui n'est pas trop critiquable non plus. Cette game là, ça va pas trop se voir, mais sachez en tout cas. Alors voilà, vous voyez ce genre de petit manque de précision, assez dommage. Mais vous en faites pas, sur les games que vous aurez cette semaine, vous allez voir des séries assez sympas. Je vous en ai préparé notamment aussi avec Hanzo, puisque ce sont deux personnages que j'aime jouer, donc Genji et Hanzo. Et du coup voilà, donc là je vois les ennemis, ils sont beaucoup, on essaye de tenter de les avoir. Ils sont encore dans le spawn pour l'instant, ils ont pas réussi à trop progresser. Mais là malheureusement, vous allez voir, voilà, je me fais killer. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance là pour le coup. Parce que sa flèche, regardez, elle était pas vraiment tirée exprès, je pense. Ouais, je suis vraiment passé au moment. C'est dommage. Mais du coup, c'est pas grave, on y retourne. Tiens, le mec, il a fait la triple en plus. Dans le chat. Pendant la feed. Donc voilà, bon. Du coup, je tourne un petit peu. Et puis, du coup, on va y retourner. Alors, je sais, certains pourront dire, ouais, c'est pas bien d'utiliser ton pouvoir pour avancer plus vite et tout, etc. Je sais, mais malheureusement, sur PS4, le jeu est beaucoup plus lent que sur PC. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, au niveau des déplacements. Mais n'empêche que ça n'en reste pas moins jouable. C'est très cool, malgré tout. Et du coup, voilà. Donc là, je tombe face à un Genji ennemi. Voilà, heureusement, il y avait son piège à notre allié Chacal. Et là, j'arrive derrière les ennemis, j'essaie de me glisser un petit peu. Pour les avoir, je fais péter le petit truc et j'essaie de tuer Diva. Voilà, ben, c'est réussi. Je tue aussi hop, le petit McCree. J'active mon ulti. Je tue Hanzo. Hop, alors là, malheureusement, j'ai pas pu le gérer plus. J'ai préféré jouer la sécurité. Je vais récupérer du coup le petit soin qu'il y a derrière moi. Et je vais y retourner gentiment. Alors là, vous voyez, ils sont assez loin quand même, les ennemis. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu quand même, je pense. Ah non, même pas. Non, non, je pensais que j'allais essayer de me rapprocher, mais en fait, non. Vous voyez, je connais même plus mon gameplay. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, bon, voilà, il manquait un petit peu de soin. C'est pour ça que j'ai fait un petit demi-tour. Alors, là, la petite diva qui lui reste vraiment beaucoup plus de vie. Donc, je m'envole vite avant de crever. Voilà. J'arrive à esquiver l'ulti de diva. Et là, je tombe en face à face avec l'autre Genji. Alors, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est tomber avec face à quelqu'un en fait qui a le même perso que moi. Ça me met en stress ultime. Donc voilà, du coup là j'essaie de contourner un petit peu. Je regarde bien sûr s'il est pas derrière moi. Non, tout va bien. Et du coup voilà, je retrouve. Et j'essaie de me le faire. Et là je tombe face à face avec le petit Hanzo. Mais malheureusement celui-ci me tue. On est en 5-2. Je vous l'ai dit, c'est pas une partie de ouf. Mais malgré tout, le gameplay sympa pour une chose. Vous allez le voir, hein, de toute façon je vous l'ai dit. Vous allez le voir. Et du coup voilà, les alliés arrivent, les ennemis arrivent bientôt au premier point. Le wagon avance, malheureusement. On y retourne avec mon petit allié Torchborn. Bref, vous le dites comme vous voulez, moi j'ai toujours dit Torchborn. Et du coup, voilà, les ennemis sont là. On va tenter de les tuer.
Alors est-ce que ça va me passer, je ne sais pas. Donc voici, comment il s'appelle, c'est le nouveau personnage. Je me souviens plus de son nom. Ah, et là malheureusement ma crit qui m'a par derrière. C'est terriblement dommage. Et pour le coup les alliés, les ennemis ne sont vraiment pas mauvais. Il faut le dire, ils jouent pas mal en cohésion de groupe. Ils sont vraiment regroupés, etc. C'est plutôt sympa. Alors là j'entends le petit ulti de Hanzo qui se déchaîne. Malheureusement je ne crois pas qu'il ait fait du kill, c'est dommage pour lui. Et du coup on y retourne, enfin c'est dommage pour lui, hein, c'est dommage pour lui mais c'est bien pour nous au final. Et du coup on y retourne, ça y est, ils sont arrivés au point C. Donc on va essayer d'y retourner gentiment. On y va. Ah vous voyez j'essaye de temporiser un petit peu. Voilà, là malheureusement je tombe face à un autre Genji. Voilà, un autre Genji. Ça c'est moche parce qu'en fait j'ai vraiment pas eu de chance. Là pour le coup je tombais face à un autre Genji qui a activé son ulti juste avant. Il a fait son slash et puis là malheureusement bah forcément j'avais plus beaucoup de temps à vivre, hein. Face à un ulti de Genji, on va dire qu'on fait pas trop longtemps. Vraiment d'avoir une grosse barre de PV genre Chopper ou Reinhardt. Et encore, on tient vraiment pas très longtemps. Du coup voilà, on y retourne encore de nouveau. Là je comprends à peu près que la temporisation ça sert pas à grand chose. Du coup je vais essayer de foncer un petit peu plus. Et en plus de ça je viens de débloquer mon ulti, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique. Et du coup on va y retourner. Alors les ennemis. Oh je confonds depuis tout à l'heure, c'est horrible. Les ennemis progressent, les alliés défendent. Hop, et là je retombe face au petit Genji. Le petit Genji qui renvoie les shurikens, j'esquive. Hop. Alors là j'esquive aussi à nouveau son attaque. J'essaye de le contourner. Hop. Mais oui, bah non, j'y arrive pas. C'est dommage. Allez hop. Ouais, franchement, sans déconner, voilà. Du coup, je me venge, j'utilise mon ulti. Là, je vois la petite fatale qui snipe sur le côté. Hop, je la tue aussi avec l'ulti. Et là, petite diva retournée. Donc, je m'amuse à lui tirer dessus, tout simplement. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais au moins, on lui a baissé un petit peu sa vie. Peut-être que les alliés pourront terminer. Et là, j'arrive, je contourne. Je me retrouve derrière Enzo. Petit cut. Et je me retrouve aussi derrière Ange. Regardez, là, ça va vraiment être dommage qu'il va arriver. Il lui avait vraiment beaucoup plus de vie. Eh, ma cutée, regardez. Il lui restait vraiment un tout petit peu. En plus, je me souviens, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur le bouton. Malheureusement, il était déjà trop tard. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. C'est très dommage. Donc là, on est en 9-5. C'est un petit peu limite. Néanmoins, on reste quand même en positif. Donc, ça va. Et du coup, on y retourne à nouveau. Les alliés sont bientôt à mi-chemin. Les ennemis sont bientôt à mi-chemin. Les alliés défendent toujours, bien évidemment, les 5 alliés sont là. Donc là, je vais m'amuser un petit peu avec les tags. J'en ai posé un rapidement. Comme ça, si jamais je me dis, hein, peut-être qu'ils se feront tuer par mon tag. Voilà. Je raconte n'importe quoi. Et du coup, voilà, petite diva qu'on va essayer de gentiment killer. Elle est coincée dans le tunnel. Ah, et là, je me fais pirater justement. Donc c'est assez embêtant, je peux plus charger mon ulti. Je sais pas si l'ulti charge, non l'ulti se charge pas. Mais du coup là je vois Diva qui est descendu de son mecha. Et là je me fais cuter, mais j'arrive quand même à tuer je ne sais pas qui je l'ai tué. Mais j'ai réussi à tuer. Normalement c'était bien joué ce qu'il a fait parce qu'il m'a vraiment bien pris, je l'avais vraiment pas vu. Donc l'autre Genji il est assez puissant, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment pas me retrouver face à quelqu'un qui a le même perso que moi. C'est vraiment assez dur quand même. Et du coup voilà, regardez là on a 3 secondes avant de gagner. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez, donc moi je me dis que là il faut que je rush, que je les tue tous un max. Mais regardez, les choses vont se passer autrement. Déjà je me retrouve à nouveau face au Genji. Petit soldat 76 qui est là pour m'aider. Et en fait, regardez, hop, et en faisant ce petit mouvement, je pensais pouvoir me récupérer. Et j'ai réussi à me récupérer, je pensais pas. Mais vous allez voir un petit peu plus tard que voilà, là c'était une erreur totale de ma part. En fait je suis tombé de manière totalement imprévue. Je voulais revenir vers l'avant mais je suis malheureusement tombé. Ça aurait pu totalement changer le cours de la game. Et du coup je temporise quelques secondes et je retourne. Voilà, j'active mon petit ulti. Hop, diva. Tac. Je me retrouve face à Genji de nouveau et je me fais tuer. L'ulti qui a été très mal utilisé. Pourtant je pensais. Mais pour le coup il y avait tellement d'ennemis que j'ai pas vraiment su où donner de la tête. C'est dommage. Et du coup on attend gentiment le respawn avant de débloquer de nouveau l'ulti. Bon là il y a encore un petit peu de temps quand même, hein. Et du coup on y retourne. Les ennemis ne sont vraiment plus très loin de l'arrivée. Alors là je repère le petit pack de soins qui pourrait me servir si jamais. J'hésite de rester un petit peu en mode temporisation pour défendre le point, parce que le point là il est juste derrière moi. C'est bah, tout proche de notre spawn. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Et du coup j'en tue un. J'arrive à en tuer un. C'est plutôt sympathique.
Et bientôt on va arriver au point critique. Les ennemis vont commencer à se rapprocher vraiment encore petit à petit. Bon là ils étaient vraiment pas trop présents pour le coup. Là j'ai eu peur en fait, c'était juste un allié. C'était un petit allié. Du coup là on les attend, on est présent. Voilà, on les attend. Et là je décide du coup d'y aller un petit peu avec mon allié. Voilà, on décide d'y aller. Hop, on en tue un. Ok, on tue le mecha. Voilà, on arrive à tuer Diva. Petite action plutôt sympa, on se retrouve face à Genji, attention, on le slash, allez on le slash, on le slash, attention Hanzo, voilà j'arrive à tuer Hanzo, Ange qui est là, Ange qui a heal ses alliés, et du coup, voilà j'arrive à toucher, je me soigne un petit peu avec le soin de soldat 76, hop Ange j'essaie de la killer, malheureusement ça ne va pas passer, je ne crois pas. Ouais non je tente quand même, regardez, c'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage, je me fais un nouveau piraté. L'ulti est bientôt chargé comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir qu'il va quand même nous servir de manière plutôt sympa. Puisque vous allez voir, regardez là il reste quelques secondes, on tombe dans les prolongations, je me fais tuer malheureusement. Et du coup en fait au final c'est plutôt sympa. Puisque du coup je vais en profiter pour respawn juste à côté du point. Puisque c'est le point le plus proche de notre spawn. Donc c'est les prolongations, ils avancent, les ennemis ne se laissent pas abattre si facilement. Mon ulti est chargé et du coup, regardez, ils sont vraiment plus très loin. Je vais essayer justement, voilà, hop. Ouais, voilà, j'essaie de réfracter un petit peu les tirs. Hop, ils sont tous là, on essaie de killer, voilà, j'arrive à en avoir un. Le petit mecha, hop, j'entends l'ulti de Genji, non de Hanzo. Voilà, et du coup là j'active mon ulti, ils sont tous là, c'est l'occasion, hop. Et voilà, on les termine, les trois, et on sauve la game. Ah là 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 là. Regardez-moi cette action, elle était plutôt sympa quand même. On va pas se mentir, elle était plutôt sympa. Du coup voilà, c'était pour ça que la vidéo s'appelle Sauveur de Game. Et du coup bien évidemment, j'obtiens l'action de la partie. Elle est vraiment, vraiment très sympathique. C'est pas la meilleure action de la partie qu'on pourrait rêver, mais on va dire que c'est pas tous les jours qu'on a des actions de la partie avec Genji. D'habitude on en voit plus avec Bastion ou Torchborn ou... ou qui d'autre encore. Bon je sais pas, j'en ai pas vraiment en tête. Mais voilà, du coup c'était plutôt sympathique. Et du coup les amis voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Il y en aura d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous plaît, peut-être qu'on en refera. Bien évidemment je finirai par acheter le jeu pour que vous ayez de vraies vidéos, peut-être pour des matchs en compétition etc. Mais du coup d'ici là les amis, portez-vous bien, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.